Bonne nouvelle pour PSG. Mbappé gagne 90% de chance pour jouer face à Bayern. Messi font golasso aujourd'hui et permettent PSG battre Toulouse. Benzema avec Militao pas jouer demain face à Mallorca. Nous allons écouter toute précision autour de nouvelles saillot et nous avons un pile d'autres informations. Nous allons partager ensemble avec vous, amis mieux. M'a dit nous rester branchés. N'a tourner tout à l'heure après cela. Pour tout service sur immigration et income tax ou même qui t'a même participé dans le programme Biden, contactez Maximum Multiservice Kishita Call dans Miami, Floride, 12 233 7e Avenue, Miami, Floride, 33 168. Maximum Multiservice, bon bagay. Rele Kounia, Mettre Amos dans 786 308 79 38 ou bien ou carrele tout Mettre Maxo dans 305 303 57 49. Comme ça tout, ou carrele Dr. Généus dans 786 745 23 33. Maximum Multiservice, supportez ou. Bonne salutation pour nous tous. Je salue chaque green monde qui a regardé, qui a attendu là. Zami mio qui a attendu les États-Unis, Canada, la France, tous les amis la France moi yo, mande nous go excuse parce que nous t'ai oublié saluer nous. Mais je dis moi voye big love pour tout haïtien, pour tout le monde qui a regardé la France. Monde qui a suivre moi étendu Saint-Domingue, Chili, Mexique, Curaçao, Haïti, merci pour l'amour nous. Pour support que nous baissons score exact qui fait les salier chaudir. Ou même qui tombe pour cette vidéo ça pour la première fois, nous disons merci. Et nous invitons à abonner, activer la cloche notification pour ne pas rater une vidéo. J'en nous dit en titre, nous avons un pile d'informations nous allons partager ensemble avec vous, surtout autour de Mbappé. Mais avant, nous allons en France, nous faisons un coup de pied en Allemagne. Jeudi, c'était un bel match. Face à c'était d'autres monde qui t'a joué face à Fribourg et d'autres monde li bat 5-1 fait marquant dans match ça c'est Sébastien Haller qui fait premier goal li avec d'autres monde ivoirien t'es content participer dans manita ça que d'autres monde t'es infligé Fribourg et tout fanatique d'autres monde t'es vraiment content et salue performance Sébastien Haller qui cap soigné en tumeur mais qu'on y allait apte pour le tourner dans championnat pour marquer goal pour faire que nous tous contents. Union Berlin bat Mainz, ça fait Union Berlin passer devant Dortmund et Bayern cap jouer demain et actuellement là c'est Union Berlin qui premier, Bayern deuxième et Dortmund est troisième et demain n'a pas de classement final ça pour dans Bundesliga. Jeudi en France t'es gagné match et nous t'es gagné dans Parc des Princes PSG qui t'a pour recevoir Toulouse. On PSG qui orphelin de Neymar qui gagne surcharge et Mbappé qui blessé pour 2 semaines. Messi avec Achraf Hakimi t'es endossé costume sauveur là et aidé PSG fait belle victoire ça. Et n'a dit que dans le match, ça a été un peu inquiétude parce que c'est Toulouse qui a ouvert le match là et Achraf Hakimi a égalisé. Et dans la deuxième période là, Messi, sous une frappe instantanée, lui a marqué et lui a aidé PSG à faire une belle victoire. Ça. Goal ça a fait Messi fait 10 goals dans le championnat et 10 passes décisives. Galtier, avant la rencontre, a demandé à tous les joueurs pour être réunis autour de Messi pour te passer le ballon parce que Galtier était quoi que l'aile pas gagné avec Mbappé et qui place sous tout Messi que le reposer et je dis hein, Messi gagne site qui balle 7 et c'est Achraf Hakimi qui finit l'homme du match qui fait 8 parce que Achraf Hakimi fait un goal avec un passe décisif et c'est Carlos Soler qui te baille Achraf Hakimi passe par là et c'est Achraf Hakimi qui bat Messi passe pour lui fait PSG fait victoire là et nous connaissons que grand pile inquiétude grand pile point d'interrogation sur Mbappé. Mbappé gagne bonne nouvelle pour lui c'est 2 semaines seulement la passé hors du terrain même si Mbappé t'a trop juste pour jouer match aller à la fête 14 février dans le Parc des Princes là l'a capable de jouer match retour là face à Bayern. On nouvelle qui réjouit en pile fan PSG mais qui est en pile tollé cap fait pour Mbappé comme soi-disant si Mbappé pas là PSG pas capable et nous gagne RMC
l'équipe également qui te fait co-émission autour de performance Mbappé. Pour eux-mêmes, Mbappé c'est lui-même qui nomme PSG. C'est Mbappé qui a mené la danse. Moi-même, celle-ci que sont en train de combien de titres majeurs que Mbappé bail PSG. En club, un seul titre majeur qui gagne, c'est Ligue des Champions. On Ligue des Champions depuis les Qataris ont pris un club ça, c'est objectif yo. Mbappé là chaque année, il joue chaque année et jusqu'à présent, c'est pas seul Neymar qui échoue avec Paris. Mbappé l'échoue tout. Oui, il est toujours meilleur buteur presque chaque année, c'est vrai. Il bail quelques grands matchs, mais c'est la finalité que nous avons besoin. Et la chance que nous avons gagné pour nous offrir Paris, Ligue des Champions, nous avons raté des occasions qui étaient vraiment énormes face à Bayern. Mais je dis en toute la France, je crois que si Mbappé n'est pas là, Paris n'est pas capable, moi-même, ce n'est pas Avipam. L'équipe là, c'est 11 joueurs qui sont souterrains. 11 joueurs qui sont capables de faire un bagage face à Paris. Face à Bayern. Le problème que Paris a gagné, Paris n'est pas gagné. Jodi en face à Toulouse, l'on connecte pour Vitinha qui fait toute rencontre là, a joué qui pas presque réglé rien. Carlos Soler cap tourner tourner virer tourner qui pas porté rien ou vient garder réellement vrai sans Neymar, sans Mbappé, équipe là manqué en pile bagaille. Mais faut que match la joué et même si Messi t'a blessé, faut que Paris joue. Pense que jodi an moun ki t'ap gade match Paris a chaque fois ou montre Campos parce que c'est lui même qui directeur sportif pour montre que li achete un pile joueur qui pas capable aider Paris réellement. Mais bonne nouvelle quand même, Mbappé l'a joué dans match yo face à Bayern. Fanatique Mbappé ou nous mettre traité prudent, nous mettre traité tête frette, n'a joine parisien quand même dans youn dans match ça. Nous parler qu'on y a en Espagne. En Espagne, gagné Real Madrid qui est au centre de toute actualité à cause de Vinicius. Real Madrid a joué deux mains face à Mallorca et Real Madrid a gagné deux absents de taille qui c'est Benzema et Militao. Benzema n'est pas présent demain, mais la fait voyage là avec groupe Real Madrid là au Maroc pour y jouer Coupe du monde des clubs et Real Madrid a rentré dans la bataille mercredi libre à jouer face à Al Ahly. Al Ahly son club égyptien et Al Ahly perdu toute compétition confondue, c'est depuis mois d'août qu'il était perdu au match son club qui est vraiment en forme et c'est lui-même qui a éliminé club américain en Seattle qui était impliqué dans le championnat ça et c'est pas un match facile pour Real Madrid mais nous y aurait été Real Madrid mais Al Ahly ils sont club qui vraiment redoutable dans le championnat que l'a évolué. Vinicius li au cœur de l'événement, il se sent toute interaction qu'a fait en Espagne et nous gagnons joueur qui te balle coup pied que te balle carton rouge là li mandé excuse public côté l'idinapsité li connaît li son joueur qui vraiment gagne un tempérament qui fort mais c'est pas intentionnel que le te bay Vinicius quoi Valence pas non bonne position yo besoin point et yo te vraiment sorti dans match là et yo te ouais c'est Vinicius pour te cibler mais li pas jamais gagne intention bay Vinicius un coup pour être capable de blesser le côté que il m'a des excuses et gon l'autre défenseur qui dit que c'est pas seul joueur là qui t'a pour un carton rouge Vinicius c'est mérité un carton rouge tout n'a pas rappelé que Vinicius ça fait tête li justice et joueur Valencia pensait que Vinicius était obligé pour un carton rouge Vinicius il pas pris en pile Vinicius pas joué un bon traitement du tout en Espagne et gagné ancien joueur Valence. C'est Mario Kempes qui c'est un Argentin. Monsieur Guerrero a sonné là parce que il était vraiment content. L'el tiré défenseur Valencien te bail Vinicius Kou. Et nous connaissons la caméra toujours sous tout le monde. Et monsieur c'est un commentateur. Et vidéo est vraiment virale. Et Ligue espagnole là capable de porter plainte contre Joya d'après eux-mêmes qui a véhiculé des comportement violent qui a incité les gens à la violence, mais je vais alimenter pardon et je pense que Vinicius a accepté pardon. Nous gagnons Ancelotti, je dis en conférence de presse,
qui saluait tout joueur Real Madrid yo, et qui voyait Ceballos monter en pile et Ceballos qui capable prolonger dans Real Madrid parce que Ceballos li ou vin vraiment ouais valeur joueur pendant que Modric a baissé là, c'est Ceballos qui jouait et yo content de performance Ceballos et direction madrilène envie offrir monsieur en prolongation avec yon revalorisation et salaire cap vraiment bon pour Ceballos. On joueur qui était en vivant mais qu'on y a là yo envie kembel parce que Modric li vraiment baissé et monsieur a bien joué là. Nous gagnons à la bas. Bonne nouvelle pour Alaba et Real Madrid qui entraîné avec Goubla et demain nous capables face à Mallorca. C'est après bonne nouvelle et Alaba gagné plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois depuis que le pas joué avec Real Madrid et petit à petit Ancelotti a commencé à ramasser joueur yo et semaine qu'a venir j'ai noté dire au début Real Madrid libre aller au Maroc libre jouer Coupe du monde des clubs et demi-finale là c'est face à Alali que l'a joué Real Madrid a joué demain à 10h et Barcelone lui-même l'a joué à 3h l'a fermé 20e journée. En 20e journée qui commençait depuis jeudi, hein, nous gagnons Atlético qui fait 1-1 avec Getafe. Atlético c'est un coup bon, un coup pas bon, il fait 1-1 avec Getafe et en Simeone encore une fois grand pile question pour le poser tête li, mais il pas mal placé. Atlético li 4e dans classement Liga. Barcelone li gagne un gros rendez-vous Captain Nila, c'est face à FC Séville. Barcelone qui était sous 12 matchs depuis que le pas perdu. Barcelone qui gagne 50 points dans la Liga et qui encaisse seulement 7 goals, c'est un gros Barcelone qui va jouer face à FC Séville demain et il est capable de compter sur Lewandowski. Nous gagnons Xavi en conférence de presse qui fait une halte là avec tout le monde, plus précisément Manchester United qui était en vie de gagner un service en Soufati. N'a pas cité l'idée Soufati gagne 20 ans. Soufati c'est joueur nous Soufati gagne en pile à tout dans chouette li. Nous juste besoin bal temps et lui même en tant que coach équipe là la bail Soufati temps pour lui capable garder ou bien quitter Ansu Fati éclaté et lui dit non à tout club qui t'a envie acheter Ansu Fati. Ça c'est propos. Vous avez coach FC Barcelona qui a joué demain face à FC Séville, mais ça c'est à 3h. On a fini avec nouvelle sur Liverpool. En Angleterre, et Liverpool perdu encore jeudi, c'est Wolverhampton qui bat les 3-0 malgré présence Gopa, Darwin Núñez, Mohamed Salah, tout le monde était là. C'est 3-0 que Liverpool l'a perdu. Défaite ça a fait Liverpool passer 10e dans le classement. Et Liverpool bagaille pas bon pour lui du tout. Et Liverpool, pour saison ça, il prend une série de gros scores, surtout à l'extérieur. Nous avons Brighton qui bat les 2 fois 3-0, 3-1. Nap bat les 4-1. Et jeudi, il a perdu 3-0 face à Wolverhampton. Bagayo vraiment pas bon pour Liverpool avec Jürgen Klopp. Et moun qui compte garder entraîneur ça n'a pas pour un coup de vieux. Parce que nous, l'évangile n'a pas passé encore. Il est vraiment pas qu'on écrit ça. Qui compte pour moi équipe là parce que tout le monde là, mais plus gros problème que Liverpool qui est là, c'est absence de Sadio Mané. Depuis le Sadio Mané qui était équipe là, clopi clopan et clop, on ne peut pas vraiment dire rien parce que à Liverpool, il prend presque tout type possible, il prend championnat, il prend Ligue des Champions, il finaliste Ligue des Champions, il prend Coupe de la Ligue, il prend plusieurs titres avec Liverpool et titre qui majeur et là encore Klopp li vin sans idée, équipe là a sombré non même Klopp Liverpool qui 10e dans le championnat même place européen là nous vous connaît européen là nous vous connaît si Liverpool a qualifié soit pour Ligue des Champions ou bien Europa League bagala vraiment pas bon pour Liverpool. T'es gagné un gros surprise jodi an en Angleterre encore c'est défaite Arsenal face à Everton.
Arsenal a perdu 1-0 et Everton c'est première victoire depuis le mois d'octobre. Et victoire ça Everton fait, il presque pas changé rien. Il était toujours dans 3 relégables avant match là, il est toujours dans 3 relégables parce que Everton est 15e, mais là on monde met suivre Everton, là il fait une victoire ce match ni pour lui capable retirer col dans zone rouge là, mais Arsenal il est toujours leader. Manchester City a joué demain et Arteta dans conférence de presse il dit que il salue performance joueur yo et après défaite ça il remet joueur yo plus chaque jour et il salue groupe en pile et n'a dit que c'est deuxième défaite Arsenal enregistrée dans championnat pour saison ça. C'est Manchester United qui t'est battu avec Everton jeudi qui battu 1-0. Merci avec vous même qui t'a regardé nous qui t'a attendu nous. Nous vamos se mirar, nous remets nous en pile, bye bye, à très bientôt.